Bonjour, bienvenue sur GSM. Quelques mots sur l'option prévision de GSM. J'ai un produit ici 1002 qui a une quantité en stock de 51. Je veux maintenant savoir comment il va se comporter dans le futur. Est-ce que j'ai des entrées de produits prévues? Est-ce que j'ai des sorties de produits prévues? Les entrées de produits vont se faire essentiellement par l'onglet commande, sur lequel je vois que le 26, j'ai une commande de prévu. Livraison prévue le 27 et j'ai effectivement ma désignation 2 en quantité 99 qui va arriver. Donc livraison le 27, quantité 99, je suis content. Les sorties de produits, elles, peuvent se faire soit de manière immédiate en cliquant sur la ligne je fais sortie, soit si elle est déférée, je vais mettre une date dans le futur, par exemple le 30. Je vais saisir un identifiant pour le panier que je vais sortir. Panier, je vais l'appeler panier à sortir, ce qui n'est pas très original. Je vais lui dire qu'il y en a 7 à sortir. Je fais ajouter à ma liste. Je sais qu'à cette telle date, il faudra que je sorte cette liste. Je vais maintenant aller voir ce que donne mon produit 10002 dans le futur. Je clique sur l'onglet prévision. J'ai ici une zone où je peux sélectionner les produits affichés, une zone au centre pour le graphique. Je vais donc choisir dans la famille 1 mon produit 10002. Je choisis la période que j'étends jusqu'au 5 si je veux. 5 octobre, je fais simulation et je vois mon produit. Je vois qu'on part de 50. On descend parce qu'il y a une sortie de 25. J'ai une entrée de stock et ça monte. Et si je veux le détail pour savoir exactement combien j'ai ici dans 6 jours, on sera le 31. J'aurai 107 produits. C'est le palier que j'ai ici, où j'ai toutes les valeurs affichées. Voilà, je vous remercie.